soir, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Ça va Quentin? Ça va et vous? Ouais, très bien, t'habites Châteauroux? Ouais, c'est ça. Ok, 19 piges, tu vas jouer avec nous, pourquoi tu m'appelles? Ouais. Tu connais le principe? Ouais. Je te le réexplique quand même, il faut appeler quelque part au hasard en France et dire pourquoi tu m'appelles, le but étant de tenir plus longtemps que moi. Ok. Qui est de... Le max, le record? Bah, le record, c'est 3 minutes et quelques, mais enfin bon, je c'est 3 minutes 20, et c'est pas toi. Oui, c'est pas moi, ça va, Mano, je sais, je suis au coude à coude avec un auditeur. À chaque fois qu'il y a des invités, c'est moi qui l'ai le record. Mais non, pas du tout. Et alors, c'est moi qui l'aide dans l'équipe. C'est de l'été. Quentin, si t'arrives à me battre ce soir, tu repars avec ton casque Beats by Dr. Dre, ça te plaît ou pas? Ok, ouais, bon, on va essayer. Bon, ça m'arrange que ça te plaise, hein, je te cache pas. Je vais commencer, d'accord? Ok. Allez, on y va. Est-ce que j'ai un petit handicap, les garçons, ce soir, ou est-ce que je peux y aller tranquillou? Ils sont jamais prêts, c'est un truc. Non, il faut qu'elle se fasse passer pour quelqu'un. Bah oui, comme souvent. Un avocat? Non, pas un avocat. Un médecin. À cette heure-là? Un médecin à l'hôpital, quoi. Les médecins, il y en a partout. D'accord. Ok, allez. T'as des bruits d'hôpital? Je vais chercher ça. Oh, ça me fait penser à Anso. Burr. Oh, ça va. The bird. Oui? Docteur Supio, bonsoir. Pourquoi vous m'appelez? Bonsoir. Moi, pourquoi je vous appelle? Oui. Là, c'est vous qui êtes en train de m'appeler, là. Bonsoir, je suis en pleine consultation. Mon téléphone vient de sonner. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous êtes impatient, éventuellement? Non, pas du tout, j'ai rien demandé, j'ai voté, je ne sais pas. Alors là, c'est complètement bizarre comme histoire, parce que j'étais tranquillement en train de m'occuper d'un patient gravement malade. Et il se trouve que mon téléphone vient de sonner, un numéro masqué s'est affiché, donc je me suis inquiétée, je me suis dit peut-être une urgence. Donc dites-moi, est-ce qu'il y a une urgence? Je viens de décrocher mon téléphone parce qu'il a sonné, mais... Alors... Non, mais... Moi, je n'ai appelé personne, enfin en tout cas, pas récemment. Est-ce que vous pouvez me laisser juste 4 secondes parce que mon patient est en train de se chier dessus. C'est une petite urgence. Ne bougez pas surtout, monsieur. Oui. Le lavement, mademoiselle, le lavement, c'est maintenant parce qu'on va pas y arriver, mademoiselle. Alors, oui, je suis à vous, donc je ne sais pas, je comprends pas pourquoi non, vous m'appelez. Moi non plus, madame. Oulala, excusez-moi. Bah, écoutez, j'en prends plein la gueule, excusez-moi. Je ne sais pas comment ça se fait que ce soit. Patient. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser dans vos problèmes. Écoutez, si vous recherchez peut-être éventuellement un médecin pour une consultation, sachez que je suis là et que je peux vous aider. Vous avez mon numéro vu que vous m'avez appelé. Ah oui, non, mais je vais très bien, madame. Il y a le docteur, même tout va bien. Vous êtes sûr? Parce que je sens des petits modules dans votre voix quand vous me parlez là. Oui, c'est ça. Il y en a un qui est en train de se foutre de ma gueule, j'ai l'impression là. Ah non, pas du tout, monsieur, c'est très sérieux. Je prends ma profession au sérieux et mes patients aussi. Je vous prie de respecter ça. Voilà. Ça a duré beaucoup trop longtemps, c'était pas du tout crédible. Combien de temps j'ai tenu? T'as tenu 1 minute 25. Fort. Magnifique, je suis hyper fière de moi, les gars. Ouais, bon, loin du record, mais bravo. Je suis crédible en docteur ou pas? Ouais, un petit peu. Quentin, toujours là? Ouais, toujours là. Bon, tu as vu, j'ai été plutôt pas mal sur le coup, là, t'as 1 minute 30 à battre. Ouais, ça va être chaud. Mais non, tranquille, toi, t'as pas de handicap, t'y vas à la cool. Vas-y, mon pote. Bon courage, okay. Ça va être chaud. Ouais, merci. Allô? Ouais. Pourquoi tu m'appelles? Quoi? Pourquoi tu m'appelles? C'est toi qui m'appelles là, l'ami. C'est toi qui m'appelles. Cool, là. Tu m'appelles là. Eh, parle meilleur. Ça fait deux fois mon téléphone. Parle pas meilleur. Appelle-moi même pas, pourquoi tu m'appelles? Mais c'est toi qui m'appelles, ça fait deux fois que tu m'appelles là. Mais tu fais esprit ou quoi? Sérieux, c'est toi qui fais que de m'appeler là, tu casses la tête. Ah, tu quoi tu m'appelles là? Raccroche, c'est toi qui casses les couilles là. Raccroche, s'il te plaît. Mais j'ai pas que ça à faire, vas-y, pourquoi tu m'appelles? Va te faire enculer, enfant de putain, va. Mais ta gueule, télé, va. Eh, la putain de tasse. Va te faire enculer, mets-toi le combi. C'est quoi? Enlève ta housse de téléphone et mets le fond de ta dent cul. T'es sérieux, quoi? Eh, mais ferme ta gueule, pourquoi tu m'appelles? Un bégayeur. Mais ferme ta gueule, déjà parle français. Ferme ta gueule, la putain de tasse, va te faire enculer. Tu me casses les couilles. Arrête de bégayer, mon frère, on dirait je sais pas quoi, un mouton. Wesh, cousin, c'est quoi t'appelles? Tu casses les couilles, pourquoi tu m'appelles? Raccroche le téléphone, là. Pourquoi tu m'appelles? Bah vas-y, raccroche. Ah, une putain de baltringue, le mec. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? C'est que dire ça. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles?
C'est que dire ça. On m'appelle la putain de tarasse. Enfin, putain, fils de pute, raccroche là avant que tu me casses les couilles là. Mais ferme ta gueule, connard. Pourquoi tu m'appelles? Il est génial. C'est mon champion de la soirée. Ah ouais, il est fort. Pourquoi tu m'appelles? Ah, j'adore. Du dimanche au jeudi, 22h minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio.